Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de The Casting of Frankstone, un jeu édité par Behaviour Interactive, développé par Supermassive Games. Ça sortira le 3 septembre 2024. Nous sommes actuellement sur PC, mais ça va sortir aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series. Malheureusement, pas de version PS4, Nintendo Switch ou Xbox One. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement les développeurs des jeux genre Until Dawn, Dark Picture Anthology, tous ces jeux d'horreur avec des choix, on doit faire survivre souvent des adolescents ou des adultes. Très souvent, on finit par les faire tuer, et ça, c'est autre chose. Et là, la particularité, c'est que c'est dans l'univers de Dead by Daylight. J'y ai jamais joué, mais la bande-annonce a l'air exceptionnelle. On va découvrir ça ensemble. N'hésitez pas, si vous voulez laisser un petit like, merci à vous. Et la petite question du jour, imaginez qu'il y a une personne qui arrive en face de vous, il sort un couteau. Qu'est-ce que vous faites? Vous fuyez? Vous criez? Vous l'affrontez? Voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous feriez dans cette situation. Et sans plus tarder, eh bien on est parti. J'ai tout sacrifié à sa recherche. Un monde au cœur d'une histoire qui m'avait été murmurée des siècles plus tôt. Un pouvoir intemporel, au savoir infini, à la fin insatiable. L'entité. Un royaume si proche du nôtre, mais toujours hors de portée. Jusqu'à ce que je le trouve. Frankstone. Ma clé. Mon tueur. Je suis Augustine Lieber. Et je m'apprête à changer nos mondes pour toujours. J'imagine que vous êtes le gardien de nuit ici. En effet. Vous seul? Pour le site tout entier? Ah non. J'ai de l'aide. Et qui se trouve où? De service? Si on veut. Merlin, il va là où ça lui chante. Merlin? Mon chien. Un Doberman pas cher. Le meilleur ami qui soit.
loyal jusqu'au jugement dernier. J'ai plus confiance en lui qu'en moi. Je dois vous poser quelques questions. À votre disposition. Quel est votre nom ? Thomas Jefferson Holt. Appelez-moi Tom. Agent Sam Green. Tom, j'aimerais vous parler de... Je sais. Ce garçon disparu. Exact. Vous pensez qu'il pourrait se trouver là ? Cette aciérie a l'air vaste. La plus grande de tous, c'est Dar Hills. Mais ça fait aucune différence. Y a rien de louche qui se produit par ici. Ni sous mon nez, ni sous celui de Merlin. Vous semblez sûr de vous ? Et à raison. Puis-je voir vos entrées ? Mes entrées ? Le registre, les visiteurs, l'écart hors des heures de travail, ce genre de choses. Bien sûr, bien sûr. Bon, ça doit bien être quelque part. C'est ça ? C'est bon. Permettez-moi. Je vois. Avez-vous remarqué quoi que ce soit autour de la Syrie ? Cette nuit ? Cette nuit, les nuits précédentes, n'importe quand. Non, rien. 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 Ben, si vous me croyez pas, demandez à votre boss. Mon boss ? Le shérif Kosic. Ouais. Mon boss. Il est passé la nuit dernière, il a posé les mêmes questions. Et je lui ai donné les mêmes réponses qu'à vous. C'est impossible que ce gamin soit ici sans que Merlin et moi, on le sache. Et qu'est-ce que le shérif a dit ? Ok, Tom. Il a repris sa voiture et il est reparti. Ah. Donc vous êtes en train de me dire que personne n'a fouillé l'aciérie en quête du petit ? Quand vous dites personne, ça inclut Merlin ? Non, Tom, pas Merlin. Je vous parle uniquement d'enquêteurs humains. Dans ce cas, Sam, je vois rien qui contredise votre estimation. Pas d'objection à ce que je jette un œil aux alentours ? Pas d'objection de ma part. Bien sûr, tout est verrouillé pendant la nuit. C'est pas un problème. Il y a Merlin, bien sûr. Bien sûr. Si vous le voyez, dites-lui que je le cherche. Merci pour votre aide, Tom. À votre service. Évidemment, tout est verrouillé pendant la nuit. Et c'est à nous de jouer. Et oui, si vous disiez, est-ce que c'est uniquement des cinématiques ? Eh bien non. Alors je voudrais juste mettre un petit point vite fait. C'est que bah, durant les cinématiques, vous en doutez, moi je suis là pour kiffer et vous aussi, et parler en même temps que les cinématiques, ou dire pourquoi je fais tel choix. C'est pas très agréable pour vous, surtout sur une vidéo. Je voulais vous dire aussi, si vous vouliez voir le jeu en live, et en plus, il y a, à ce qui paraît, une intégration Twitch. C'est-à-dire, quand il y aura un choix important à faire, de vie ou de mort, etc., eh bien, le chat aura la possibilité de voter. Je vais intégrer ça, donc si vous voulez participer en live, il n'y a pas de problème, d'accord. Il y a une entrée ici, je voulais juste voir s'il n'y a pas quelque chose aussi de l'autre côté vite fait pour voir, on sait jamais. Pas d'impression, et voilà, si vous voulez venir sur Twitch, hein, Monsieur Coty. Dans la description, il n'y a pas de problème, vous êtes tous les bienvenus. Et dernière petite chose, c'est, oui, quand je lui ai fait l'interrogatoire, j'ai été assez distant. Genre, je n'ai pas parlé d'alcool, je n'ai pas essayé de le froisser, parce que je me dis, si je le froisse, je sens qu'il va me fumer. On sait que les introductions dans ces jeux-là,
des intros où on finit mal. Voilà, on sait que normalement le policier, il y a de fortes chances qu'il meure dans cette intro, c'est sûr et certain. Si je peux éviter de mourir dans d'atroces souffrances, bah c'est tant mieux pour moi. Mais ouais, généralement, les intros des jeux Supermassive, c'est souvent comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Et bien sûr, j'ai oublié de le préciser. Ah, d'accord. J'ai oublié de le préciser, mais le jeu est déconseillé au moins de 18 ans. Je pense que quand j'ai parlé de jeux qui ressemblent à Until Dawn et compagnie, je pense que c'est normal. Donc il appelle son chien, mais j'ai l'impression que finalement ici c'était pas l'endroit principal. Il y a peut-être une touche pour courir aussi. Non, non. Ça c'est les passes que je déteste dans les jeux. Bon, c'est fait pour charger, généralement. Mais toujours, j'ai fait tellement de jeux où quand tu passes par là, on te saute dessus, attendez. Ah, voilà la touche pour courir. Joli camion. D'ailleurs, on a entendu la voix de Tom qui appelle Merlin. La voix était vers la gauche. Donc finalement, j'ai bien fait d'aller à droite ouverte. Pour le document. Je peux entrer par là. Ah, voilà, vous voyez. On a bien fait de fouiller à gauche, finalement. Oui, il y a des collectables, bon, je compte pas Fall Platine, je compte pas à 100%, mais sait-on jamais. Elle est plutôt jolie, hein, il n'y a pas de problème. Ah. Ouf, doucement. Ouais, je regarde un petit peu partout. Les effets de lumière sont très très bien. Ouais, je me rassure comme je peux. Hein. Vous savez que moi, quand je fais un jeu d'horreur, je parle encore plus que d'habitude. Au moins, ça compensera le fait que j'ai pas beaucoup parlé. Durant l'introduction, il se passera rien. Il se passera rien. C'est ce qu'on se dit. Et souvent, quand on attend, il se passe rien. Et quand on n'attend pas, il se passe quelque chose. Spoiler alert, je suis sûr qu'à un moment, le chien va me faire flipper. Vous allez voir. Je suis devin. Parfait. Tout est verrouillé ou pas. Par contre, l'ambiance elle est géniale. Hein. C'est pas grand chose et c'est ça qui est bon. Ah, un registre, c'est quoi? Vendredi 13, bah forcément. Après-midi 14-22. Harold, Denis, Bobby, Frank Stone. Eh ouais, le fameux Frank. Il a écrit déplacer Dawkins et Stone hors de l'équipe de nuit pour combler le vide. Inutile de faire tourner trois équipes avec la moitié de la main-d'œuvre. Une partie des gars devrait assurer deux quarts. A dit Nico Dem, ok. Bien en face, que personne n'allait bosser de nuit pour un moment. Ok. C'est bizarre tout ça. Est-ce que Frank Stone est vraiment le méchant? Et c'est la pièce maîtresse, oui, mais... Eh bien, si vous êtes perdu à cet endroit, et que vous dites « Oh là là, je regarde cette vidéo pour savoir comment il a fait pour passer », parce que ça peut paraître pas très évident, en fait, ici, on a une porte, on a pas mal de choses, et on va pouvoir enlever... Même si là ça s'illumine, mais je vous avoue que je suis retourné en arrière, j'ai pas trop trouvé, et en fait je me suis dit non, ça peut que être ici. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'était pas à découvrir. Dossier personnel de l'employé. Date d'embauche le 4 février. Nom de famille. On dirait que c'est Tom, parce qu'il avait un nom Thomas, je sais pas. Poste actuel, machiniste. Ah bah non, bah c'est pas lui. Adresse, ok. Casier judiciaire, une plainte pour agression, vol. Libération anticipée, ok. Rien de particulier en plus. En tout cas, ça a un casier. Et ouais, en fait, des fois, faut bien fouiller, faut bien coller un petit peu tout le décor. Que vous risquez de louper des choses. Et on déplace. Allez, vas-y. Bien joué. Bah, par contre, t'aurais pu le mettre à côté, quoi. C'est pas très sérieux, ça, mon ami Sam. Intéressant, ça s'ouvre un peu plus. Alors, on arrivait d'ici, logiquement. Quand il a dit que tout était verrouillé, tout était vraiment bien verrouillé. Et ils ont vraiment voulu faire un système avec les jeux de lumière de nuit. Y a quelqu'un ? Ouais, bah, LB pour courir, bah, Police. Ça je l'ai appris un petit peu avant, merci. Merci, merci. Allô ? Oh, c'est quoi ça ? Après, il y a des choses qui peuvent vous indiquer où aller, hein. Vous voyez qu'il y a des flèches à chaque fois qui nous disent, voilà,
Ici, c'est un endroit qui est... Ah oui, je suis un gros trouillard. Une ampoule qui pète. Je flippe. Alors voyons voir. Ici, ça s'ouvre pas. Donc, logiquement, on va quand même voir ici certains petits documents. Le gars il flippe, mais il cherche les moindres recoins. Voilà. Limite, tu peux attraper une maladie en ouvrant une porte comme ça là. Moi, c'est moi, je. Oup ! Il y a un bruit. Il est là. J'ai entendu un bruit, une sorte de larve. Ou c'est peut-être le chien qui est en train de manger. Tiens, on va aller voir. Merlin ! C'est moi, c'est Sam. Ah, ça pue la mort. Ouais. Quelque chose ici. Comme je l'ai dit, je vous mettrai le son assez fort pour que vous puissiez bien entendre tous ces détails. Il n'y a pas moyen d'enlever quelque chose. J'appuie quand même, non? Ok, bon, c'est pas grave. Soit c'est un animal, une bête ou autre, soit c'est un corps qui genre se décompose peut-être. Monsieur Green. Agent. Oui, monsieur l'agent, bien sûr. Vous auriez pas vu Merlin, des fois? Non. Désolé. Ah. Tout va bien? Ah. Oui, c'est juste... Bon sang, vous sentez rien? Le tarin est hors service. Je me suis un peu trop approché d'une bonbonne de gaz moutarde dans les tranchées. Ah. Il y a des fois, c'est un avantage. Ah. Il faut qu'on trouve d'où ça provient. C'est quoi que ça sent? Rien de bon. Ce qui était cool, c'est que... je viens de remarquer là, l'horloge. Les secondes défilent... c'est pas grand chose, hein. Au niveau de l'horloge, voilà. On voit les secondes défiler. Et là, il y a un truc que j'ai peur. J'ai peur que... soit, comme je dis, c'est quelque chose en décomposition, mais j'espère que c'est pas le chien. Il recherche Merlin. Oh non, mais en fait, c'est Merlin qui mange quelque chose! Merlin! Te voilà, mon gars! Et on se demandait où t'étais passé! Oh. Reviens, mon gars! Bon Dieu, bon Dieu! Pour sûr que j'aurais aimé que tous les deux vous fassiez connaissance. Ah! Oh, nom de Dieu! Genre normal, ça le dérange pas du tout de toucher comme ça. Bébé, on dirait peut-être une petite oreille, je sais pas. Ça. Vous avez sorti ça pour lui? Non. On dirait que quelqu'un a trouvé le chemin du cœur de votre chien. Par son estomac. C'est pas possible. Merlin et moi, on est une équipe. Qui se mettrait entre un homme et son meilleur ami? Hein? C'est quoi, hein? Un genre de saucisse? Qu'est-ce que j'ai dit? On voit bien que c'est une oreille. Ouais, genre elle sur plein de coutures, hein, on sait jamais. J'ai un coup d'œil à ça. Ce fichu chien. Vous croyez que c'est au gamin que vous cherchez? Rien ne prouve que c'est le cas. Mais j'ai... Rendez-vous service et oubliez cette idée. Car jusqu'à présent, toutes vos hypothèses ne valent rien. C'est vrai. Après, je reste indifférent parce que quand je ferai le jeu, bah, comme je vous ai dit en live sur Twitch, je ferai des choix différents. Et là, en fait, je me dis, c'est un choix neutre, c'est un choix un peu d'officier qui n'a peur de rien. J'ai l'impression que voilà, notre agent Sam est vraiment comme ça. Ah bah tiens. On dirait que ça, c'est ce qu'on récupère au fur et à mesure. Genre,
tous les petits secrets, par contre, il y a quelque chose là-haut, on n'a pas vérifié. Et ça me perturbe un peu. Est-ce qu'on irait pas vite fait aussi? Si, on va y aller vite fait. On a le temps, on n'est pas pressé. Je voulais juste voir qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'en fait, en allant ici, je pensais que ça allait... On va pas faire une cinématique. Là déjà, ça s'ouvre pas, on est bien. Après, il y a peut-être rien, hein, mais ça coûte rien d'aller voir. Est-ce que c'est la faute du chien? Est-ce que le garde, depuis le début, hein, il nous l'a mal envers? Est-ce que le garde, finalement, est une très très bonne personne? Eh bien, il n'y avait rien. Au moins, on est sûr. Après, certains passeront tout de suite par ici. Alors, je me suis dit, par là, c'était peut-être l'endroit principal. Toujours, hein, je sais pas si vous êtes comme moi. Le problème d'être indécis, d'avoir peur de louper quelque chose, quand il y a deux endroits, trois endroits à aller voir, on a toujours cette peur, cette crainte de dire « Oh là là, je vais à l'endroit principal, ça va lancer une cinématique et je vais plus pouvoir revenir et te dire « Mais oh, ça va ?» Par contre, j'ai oublié de préciser, le jeu, pas l'introduction, vous en doutez, mais vous allez pouvoir jouer au jeu à plusieurs. C'est un jeu qui se joue seul, mais aussi en coopération. Qu'est-ce qu'il est ? C'était quoi ce bruit ? Mais moi je préfère jouer à ce genre de jeu seul parce que restez quand t'es plusieurs, moi. Je trouve que qu'on perd l'immersion. Voilà. Ça me dérange pas de jouer à des jeux fun, des jeux de shoot ou autre, mais dès que c'est narratif, c'est compliqué. Bon, c'est quoi ce truc ? La grille? Oui, ça sert à quoi? Ça... C'est pour le fourneau, je crois. Vous n'en êtes pas sûr? Eh, hey, je bosse à la scierie, pas dedans. Hmm. Ah, c'est bien répondu. Faut pas qu'il se laisse faire, sinon... J'avoue, l'officier, l'agent, là, parfois, il lui manque un peu de respect. Alors, il lui a dit « Monsieur ». Il dit « Non, c'est agent, ouais, tu vas te calmer. » On peut passer par là. Ouais, on peut passer par là. Et de toute façon, on a remarqué dans le jeu, dès qu'il y avait ce petit drap jaune, voilà, c'est pour indiquer aux gens, c'est par ici. Merci aux développeurs. Moi, je suis un assisté dans ce genre de moment. Au moins, on sait où aller et quoi faire. Oh là là. Bingo. J'allais dire, on ramasse ça pour se défendre. Ah, utiliser plus tard, donc ça c'est bien. Peut-être pour ouvrir une porte, peut-être pour taper quelqu'un. Peut-être pour plein d'autres choses. Bon, par contre, je vais pas me dire. Genre, attendez. Laissez-moi bien regarder. Parce que tard, je me suis fait avoir une fois. Une fois, pas deux. Allez, on y va. Mais peut-être qu'avec ça, on va pouvoir ouvrir d'autres portes. Il me fait un peu peur en dessus comme ça là. J'ai besoin de quelque chose pour forcer l'ouverture. Ah, le pied de biche, tout simplement, va servir ici. Ça paraissait logique. Reculez-vous. Ok. Prenez ça. Et appelez le poste avec la radio dans ma voiture. Où est-ce que vous allez? Vous êtes sûr que le môme est là, en bas? Je l'ignore. Et j'ai un pressentiment. Un mauvais pressentiment. Hey. J'ai besoin que vous preniez ça aussi. Veillez bien à ce que le shérif l'ait. Bon sang, je sais pas. J'ai besoin de votre aide, Tom. Je ne peux pas faire autrement.
Je sais pas si j'ai les compétences requises, l'ami. Ça ne s'appelle pas une vocation pour rien. Il faut se bouger pour réussir. Vous pouvez y arriver. Ouais. Je peux y arriver. Hé. Hey. Je compte sur vous, Tom Holt. Le souci, c'est qu'on a fait confiance à Tom. Eh bien. Mais est-ce qu'on lui aurait pas fait confiance alors qu'il n'aurait pas fallu ? Moi j'avoue, j'ai un doute sur lui. Mais vous savez que dans les jeux comme ça, ils aiment bien faire en sorte que les gens sur qui tu doutes sont finalement des bons. Les mauvais sont finalement des bons, on va vous avoir compris. Eh, le gars, il a eu peur dans cette vidéo, non pas de monstre ou quoi que ce soit, ou de tueur, mais d'une ampoule qui pète et d'une échelle qui craque. Et ouais. Par contre, franchement, graphiquement, je trouve qu'ils ont passé un cap. Supermassive. Le jeu est vraiment très, 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 très joli. J'espère que ça rendra bien en vidéo, parce que des fois, je dis ça, et la vidéo est pas belle, après on me dit, ouais, mais Coty, t'as des goûts pas ouf. Et voilà, un petit document. Parfait, ça. Qu'est-ce que c'est ? Le cheval. Ah bah voilà, bah je le trouvais 2 sur 2. Donc je pense que c'était les deux babioles qu'on avait dans cette introduction. Je crois. Est-ce qu'on descend ? Une descente, hein ? Allez, vas-y, on va descendre pour voir. Ça me rassure pas. Pourquoi il y a un... Non, non, non. Franchement, ça, par contre, là, j'aime pas trop cette ambiance. Bon sang. C'est un vrai dédale, là-dessous. À l'extérieur, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien. Bon, pas ici. Moi, ce qui est cool, c'est qu'on sait que c'est pas par là. Ah, les égouts, vous me dites qu'elle est même pour rien au monde. Le chien, en plus, il va me sauter dessus, là. Logiquement, c'est par ici, hein. On se doute, mais on veut quand même fouiller le reste. C'est bien d'être curieux comme ça, là. Non, ici, il n'y a rien. De toute façon, la seule chose qu'il y a pour l'instant, j'ai l'impression, c'est des rats et de l'humidité. Voilà ce que nous avons pour le moment. Ah. Bizarre, ça. Avoir des indications dans les... Ouais, après, ils peuvent travailler dessous. Hein. C'est impossible. Donc là, c'est principal. Logiquement, ici, c'est secondaire. Donc, on a dit que toutes les portes étaient verrouillées. Au début, on l'a pas trop cru. Mais regarde bien. Non, il n'y a rien. Mais il a toute raison, le petit homme. Ça doit être par là. Ouais, c'est par ici. Hein. J'avoue, après, si vous voulez finir l'introduction très rapidement, c'est possible. Hein. Vraiment, parce que genre en 10 minutes c'est... Ah, ça peut être bouclé. Que si vous allez directement sans fouiller, si vous savez où aller et vous suivez, bah, les fameux panneaux... Ah ouais, tu vas t'intoxiquer là. Vite. Ne perdons pas de temps. Ah. C'est bizarre tout ça. Toutes ces scènes. À chaque fois, je me dis, il va se passer quelque chose. L'estomac. Il va se passer quelque chose et qu'on va nous sauter dessus. On peut grimper là, ou on peut. Est-ce qu'on peut glisser en dessous, ou on peut ramper. On va passer par là. Et on l'a bien fait. Oh, c'est Chewbacca. Oh, c'est. What? Les choses deviennent de plus en plus bizarres ici. C'est quoi ça là?
C'est horrible, mais c'est stylé. On dirait Chewbacca qui a fait la fête avec, avec Chucky. Et ils ont fusionné. Et là, par contre, notre tenue, je sais pas si vous avez remarqué, hein, elle se salit avec le temps. Saleté. Petit détail, confiné. Mais assez cool. Allez, si je me mets un peu dans la lumière. Alors, on voit pas très bien comme par hasard. Hein. Bon, je pense que c'était à droite. Mais je veux quand même aller voir. Voilà, j'ai bien fait. Et je fouille, mais. Mon Dieu. On commencerait le jeu. Bon, moi, ce qui me perturbe un peu. Ah oui, c'est l'autre endroit. Enfin, je sais pas si c'est l'opposé de là où on était tout à l'heure. Il y a un truc qui me perturbe un peu, c'est dès qu'il prend un objet, il l'inspecte, mais il le repose. Genre la photo là avec le gars. Je vois pas pourquoi il ferait ça. Oh non. Là, on sait qu'il va se passer un truc. Pour réussir, un des habités appuie sur 1 lorsque le curseur se trouve dans la zone à succès. Ah, hein, c'est comme. Oh, classe! Donc, on fallait vraiment être dans le blanc. Là, j'ai été un peu au-dessus, mais c'est ok. Outlast Trials, et c'est des gens qui ont testé, peut-être même Dead by Daylight là aussi. Il hein. Y avait les bras de fer, il fallait faire ça. Mais comme je l'ai dit, j'ai vraiment aucune culture de Dead by Daylight. Peut-être qu'il y a pas mal de refs, peut-être que Sam est un personnage dans le jeu vidéo. Peut-être que Tom aussi, je sais pas du tout. J'ai pas les refs, mais. Pas pour autant, attendez. Grimper, vas-y. En fait, il faut rester appuyé, d'accord. Désolé. Hein. Bah, je faisais A et le jeu droite. Seigneur, on se croirait en enfer. Thank you.
Et voilà, c'est la fin de l'introduction du jeu. Franchement, c'était trop trop bien. On peut se poser des questions. Qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que le combat aurait été différent si on était passé par la rampe? Et c'est là toute la magnificence de ce jeu. C'est que vous aurez envie de recommencer le jeu et de faire des choix différents. J'avoue, le fait de timing, c'est pas évident, mais ça va prendre avec le coup. Moi, j'avoue, je suis pas très bon dans ça, mais le fait de se louper un peu, ça nous fait pas louper complètement. On peut se rattraper et ça, c'est très très bien. J'espère que cette introduction, où j'aurais pas trop parlé durant les cinématiques, voire pas du tout, ça vous a mis en immersion. Moi, j'ai adoré. Merci à vous. Si vous voulez voir le jeu en live sur Twitch en entier, on le fera avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut.